fait qu'une prison. Le gars, sur le gars, c'était clair, il voulait nous tuer. Le pire reste à venir. Elle permettra d'éclairer toutes les circonstances de cet acte barbare. Derrière moi avec les galeries Lafayette, le printemps, tout était ouvert sur ce début de matinée avec un afflux de touristes, effectivement de parisiens également. Je regarde les photos de mes copines, je fais des selfies et je suis encore plus belle. Et il parle de nécessité de guerre totale, écoutez-le. Pour se prendre les uns les autres, se relever tous et essayer de monter sur la scène, de grimper cette barrière qui nous séparait de cette scène. Les musées Mémeline, faudra qu'on vous fasse visiter. Ah oui, oui, j'adore les Vénétiers flamands. Couleur de la France, on entendra les réactions dans le monde entier. Et puis solidarité dans les hôpitaux parisiens où les blessés ont été hospitalisés avec un afflux de bénévoles justement qui veulent donner leur sang. On va y revenir tout de suite. Vers l'institut médico-légal, évacués dans des véhicules funéraires que nous avons vus tout à l'heure avec une bougie à la main. L'instauration de l'état d'urgence. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. L'équipe, et regardez, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues voir à quoi ressemblait cette terrasse, mais aussi déposer des fleurs, des bougies. Il y a énormément d'émotions. On a pu croiser un des deux patrons de ce bar qui était particulièrement ému, évidemment. C'est vrai, je le sens. Moi, je ne peux rien faire de plus. Déjà que je prends un gros risque en vous mettant au courant. Il y a eu l'arrestation d'un Français qui n'a pas été rendu public. Il y a un an, il y a l'arrestation d'un Français qui revenait, qui a été arrêté, et qui a dit qu'il devait faire des opérations kamikazes. À la dernière minute, il n'a pas fait son opération. Taper plus fort, mais taper sur quoi? Sur qui? Les terroristes se cachent dans des villes. Est-ce que c'est efficace? C'est toutes ces questions qui ne sont pas tranchées et qui sont très complexes. On aperçoit sur cette vidéo les hommes du raid s'introduire dans le bâtiment avec des échelles et se repérer à la lampe torche. Encore des rafales. Trois kamikazes se sont fait exploser.